Je m'appelle Antoine. J'ai 36 ans. Ma naissance ne s'est pas passée comme prévu et quelques mois plus tard, un neurologue m'a diagnostiqué une dystonie. Je serai porteur d'un handicap moteur toute ma vie. Malgré cette annonce qui, je l'imagine, devait être terrible pour mes parents, ils ont décidé de me considérer et de m'élever comme un enfant valide. Je suis donc allé à l'école comme les autres et à 18 ans, j'ai décroché mon bac S. Après 5 années de fac, j'ai dû trouver un travail. Depuis 2014, je suis employé aux archives départementales du Gard. Pour moi, travailler est très important dans la vie. Ça me permet d'avoir une routine saine et une vie sociale enrichissante. Et surtout, je fais partie de la population active. C'est une fierté en tant que personne handicapée. Je conduis, ce qui me permet d'être autonome dans mes déplacements. Je vis seul dans un super appartement de plein pied. Je cuisine et me débrouille pour les gestes du quotidien, même si le temps joue parfois contre moi. Une personne valide prend une minute pour enfiler ses chaussettes, moi 5. Bien sûr, je dois avoir une aide à domicile pour me rendre la tâche plus facile, mais je tiens à ce que ça se limite au ménage et aux courses. Je vis seul, donc oui, je suis célibataire. Il est difficile de trouver l'amour quand on est différent. Heureusement, on a l'amour de sa famille et de ses amis. Et je crois qu'une belle rencontre peut toujours arriver. Pour résumer, je dis souvent que dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Pas mal, pas mal.
Sorry, she could get out, tell it, tell you, sorry.